d'information. Il a été inauguré jeudi dernier au Conseil régional. Ce site internet permettra notamment de consulter des fiches et même des vidéos, notamment donc pour consulter, pour avoir plus d'informations sur la formation. Ce dispositif est une première chez nous et sur le plan national. Il s'agit d'un reportage d'Arlette Paquit. Donc, bienvenue sur ce site sur lequel vous pourrez avoir des informations qui concernent la formation professionnelle qui relève de la compétence évidemment des conseils régionaux, mais également d'autres actions. Un bon accueil multimédia pour un site convivial qui regroupe près de 500 offres de formation continue à la Martinique. Cette base de données a été mise au point par le CARIF, Centre d'animation et de ressources de l'information sur la formation, avec l'appui technique de l'université. Il vous suffit d'aller sélectionner le menu formation, ensuite d'aller voir dans offres de formation les formations qui vous sont proposées. Alors, par exemple, là, si vous voulez trouver une formation du type formation dans le cadre paysager, ben, vous allez pouvoir sélectionner le code action 50. Ensuite, vous avez donc le détail de la fiche descriptive donc, du code formation paysager. Et ensuite, vous allez donc sélectionner la petite icône qui se trouve tout à fait en bas de page, qui vous permet de faire le lien avec le fichier vidéo de la formation. Voilà. Pas besoin d'être un grand grec de l'informatique, ce site est accessible à tous. Un site de cette nature s'adresse aussi et en plus à des personnes qui sont des bas niveaux de qualification notamment, puisqu'elles n'auront pas forcément besoin de lire des choses fastidieuses, mais elles pourront accéder à une information riche, détaillée, justement par le biais des vidéos. Ainsi, vous pouvez réviser ou compléter les informations diffusées sur notre chaîne dans 300 secondes pour la formation ou encore sur les radios. CARIF.MQ s'adresse au grand public, mais c'est aussi une offre en faite aux professionnels de la formation, tels que l'ANPE ou encore les missions locales. Des transporteurs malaxants.